Espadia, la nouvelle ère de la Terre. Espadia est une histoire de science-fiction que, contrairement à plusieurs autres science-fiction connues, celle-ci est une planète bleue où il fait bon vivre. Dans cette histoire, notre monde a su évoluer dans l'écologie grâce à des bases spatiales tous reliés par des panneaux solaires installés de la même façon que la ceinture de la planète Saturne. La quasi-totalité des technologies fonctionne grâce aux batteries aux cristaux rechargeables grâce à l'énergie solaire. Dans les vaisseaux, les voitures, les armes et divers appareils électroniques. L'histoire commence sur Terre, à Québec, où le monde s'apprête à fêter le début de l'année 2500. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, nommé Axel, accompagné de son amie de toujours, Linda, se trouve à cette joyeuse fête. Hélas, le début de l'année s'annonce plus chaotique que les terriens ont pu imaginer. Odie, un Yaka, qui est une machine vivante, qui s'est infiltrée comme un haut gradé dans la base de Québec, s'empare de la station avec des Ravagers, des aliens extrêmement sauvages qu'étrangement, Cody peut les guider comme bon lui semble, et utilise les capsules de sauvetage pour les larguer sur Terre. C'est alors qu'Axel vivra une histoire de survie contre les envahisseurs, il fera des rencontres qui l'aidera à survivre, mais aussi une rencontre mystérieuse issue de l'époque médiévale. Alors que les Ravagers agrandissent leur nombre pour envahir la Terre grâce à des fenêtres, c'est ainsi que l'on appelle les portails, que crée Odie grâce à l'énergie de la station? Les humains pourront-ils les expulser de notre monde, ou le but d'Odie sera atteint, qui est de s'emparer de notre monde?